Et ça tout le monde, c'est Azur Hyperacia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 90 de notre aventure 100% sur Super Mario Sunshine Reloaded. J'espère que vous allez bien, bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous d'un épisode précédent, non c'était pas ça, on avait fait, souvenez-vous, le petit parc Pina. On avait récupéré le dernier soleil qui nous restait, hein, tout simplement, de ce parc Pina, donc le soleil des 100 pièces. Et du coup, bah, les amis, aujourd'hui, c'est l'épisode speedrun dans lequel nous allons faire, du coup, les 3 soleils secrets, du coup, qu'on a fait dans les épisodes de cette semaine-là, mais en un seul épisode, comme d'habitude, et le plus rapidement possible pour que ça reste un peu fluide pour vous. Et du coup, bah, c'est parti, on y va, et puis voilà, on va faire ça aujourd'hui, tout simplement. J'espère en tout cas que cet épisode, enfin, que pour vous, ça va aller. Pour ma part, écoutez, ça va très 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 bien. On est déjà à l'épisode 90, on se rapproche petit à petit de l'épisode 100, concrètement, de ce Let's Play. Voilà, de l'épisode 100, dites-vous même, on se rapproche petit à petit de la fin de ce Let's Play. Voilà, enfin, concrètement, hein, concrètement, on se rapproche de la fin de ce Let's Play. Même s'il manque encore 10 épisodes speedrun, etc. Mais voilà, on sera vraiment, c'est assez tranquille, concrètement. Et du coup, ben, écoutez, c'est parti, le secret du canon de la plage. On va d'abord faire celle-là en priorité, et puis après on fera le sixième, et puis après on fera le petit Yoshi, tout simplement. Et du coup, ben, let's go. Are you fucking kidding me? Merci. Tac. Tac. Premier. Quatrième. Cinquième. Sixième. Tac. Ah merde, j'ai pas eu le timing. Tant pis, j'ai pas le timing. C'est vrai que quand il spawn pour la première fois, il apparaît beaucoup plus. Oh boy. Oh boy. Il apparaît beaucoup plus beaucoup moins vite, je veux dire. Beaucoup moins vite que la première fois. Oui, parce qu'il y a un petit temps de truc quand on le fait apparaître. En fait, le cas où il est déchargé quand on arrive, nous, vers cette zone là donc en fait, quand on arrive vers ces zones là il est chargé, et en fait du coup, bah, ça fait que, bah, en fait, son premier truc, il apparaît, enfin son premier reset, il apparaît longtemps après il apparaît à un chronométrage plutôt tranquille, quoi. Putain, je suis dégoûté. On aurait pu le finir directement, on aurait fait un bon petit truc. Le secret des carousels de Yoshi. Excusez-moi, j'ai mangé, donc du coup à chaque fois quand je mange, je touche de fou. En plus, j'ai pas peu mangé, j'ai énormément mangé. Là, j'ai suis goinfré, je vous le dis. Hop, on va préparer la RNG. La RNG, c'est la banane. Pire RNG aussi ever. Non, la pire RNG, c'est vraiment la noix de coco, hein, y a pas à dire. La noix de coco ici, ça te nique le truc. Are you fucking kidding me? Tac. Tatam. Ok. Bidon. Sérieusement. Le saut de la mort. Tac, c'est bon. Allez, let's go! Tac. Tac. Mais. Deuxième. Oh boy. Attention. Je voulais pas tenter le saut méga saut plongeon parce que je me suis dit ça va jamais me passer vu que j'étais pas prêt psychologiquement. Voilà, tac. Troisième. Quatrième, cinquième, sixième, septième, et du coup le dernier, huitième. Bon, ça va, on s'est pas mal débrouillé pour celui-là, donc
pas se manger un vilain karma quand même. Merci. Mais on s'est pas mal, on s'est bien débrouillé. Bon bah maintenant il ne manque plus que les 100 pièces. Bon bah ça va se finir en moins de 10 minutes. Si tout se passe bien, ça se finit en moins de 10 minutes. Concrètement. Sachant qu'en plus c'est le plus facile. Le problème c'est qu'il faudrait une bonne RNG avec Yoshi quoi. Si j'arrive à avoir l'ananas, ça serait le meilleur des mondes. Parce qu'avec Yoshi, en fait, on peut faire tellement de bonnes choses. Enfin, on peut tellement aller vite pour les 5 pièces par monstre là. Donc si j'ai l'ananas, ça serait le meilleur des mondes. Mais bon, il faut que j'ai l'ananas quoi. Ou pire la banane, mais pas la poire. Parce que la poire, elle est dans un environnement qui est pas très très rassurant quoi, entre guillemets. C'est la banane, ok. Parfait, vous voyez, ça m'arrange. Pas grave. Tac. Tac. Voilà, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que ça m'arrangeait de malade? Ah putain, je voulais pas gober lui. Enfin, je voulais pas que... Ça, en fait, ça dépend de la goutte d'eau. Quand des fois, quand la goutte d'eau, elle est bien avec... Elle est bien. Bon, bah tant pis. On aura perdu 5 pièces, mais on va les rattraper. Ne vous inquiétez pas. Bah, avec du chien, on est beaucoup plus rapide, hein. À asperger tout. Là, on en a beaucoup. Ah, parfait. Bon, ça va. On n'a pas perdu non plus trop de temps. Voilà, faire très attention là. Tac. Wow, on gère de malade là, what the fuck. Oh, jamais été aussi performant pour celui-là, tiens. Tac. Le temps que ça apparaisse, pendant quelques frames, on peut pas... Pendant quelques frames, en fait, une fois, même s'ils sont apparus, on peut pas les utiliser. Donc pendant ce court instant, il faut quand même asperger pour éviter de perdre trop de temps, quoi. Putain, on aura mis 2 minutes. What the fuck, man. On aura mis 2 minutes, je crois que c'est même le record, là. Je crois que j'ai fait le record du truc, hein. J'ai fait même le record mondial, hein. Non, mais vraiment, what the fuck, j'ai mis 2 minutes. C'est quoi cette dinguerie? Bon bah écoutez, ça serait tout serait bien très bien passé. Bah, on se retrouvera pour l'épisode 91 les amis, dans lequel on s'attaquera cette fois-ci à la plage Serena. Notre de soleil secret, excusez-moi. Ouais, j'ai mangé il y a pas longtemps, donc du coup la digestion elle est en train de se faire. On s'attaquera à la plage Serena dans lequel, écoutez, on fera du coup le premier soleil secret qu'il y a. Donc ça sera normalement c'est le deuxième hein, soleil secret. Avec du. Enfin en tout cas dans l'épisode. À l'épisode 2. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.